musiciens qui viennent de milieux différents, donc qui viennent du flamenco, du jazz et de la world music. Donc ils sont là pour refléter un peu ce qui se passe sur l'album aussi. Donc sur l'album, c'est un mélange de jazz, de flamenco, de la world music. Donc en fait, la world music, c'est un mélange de plusieurs styles, c'est une fusion, et c'est ce qui se passe sur l'album. Et en fait, ce qui ressort surtout, c'est mes deux principales influences, c'est-à-dire le jazz et le flamenco. Ce qui m'influence beaucoup, c'est les voyages et les différentes cultures. Bon, là, j'étais fortement marqué par l'Espagne, évidemment, et le flamenco. J'aime bien en fait aller dans des pays où la musique, la culture musicale est forte. Donc pour le moment, c'est le flamenco. J'ai beaucoup voyagé en Espagne, mais là bientôt, je prépare un voyage à Cuba. Donc je pense que ça va m'aider aussi pour mon inspiration. En Belgique, au niveau world music, Esperanza, ça devient un peu un événement incontournable. Je trouve ça super. Enfin, le site est exceptionnel. L'organisation est irréprochable et l'affiche est super. Donc voilà, il faudrait qu'il y en ait d'autres, des festivals comme ça. C'est vraiment un événement phare pour la musique, en tout cas pour la world music en Belgique. Le public est super chaleureux. C'est la deuxième fois que je joue ici. Le public est ouais, très ouvert, très chaleureux. Ya la colmaba que yo ratito, eso por ti votaría.